Ces documents confidentiels que nous avons trouvés sur Coral ne sont pas si sensibles. Il y est simplement question d'un laboratoire de bioarmement sur une plateforme orbitale à Castanar. Je pense que celui-ci sera différent. Les dossiers suggèrent qu'ils prévoyaient de supprimer tous ceux qui y ont travaillé. J'imagine que ça veut pas dire les virer. Mais pourquoi Mensk voudrait buter toute une équipe de recherche? Je sais pas. Mais je pense qu'il faudrait aller vérifier. Effectivement, il faudrait. Les documents confidentiels récupérés sur Coral indiquent que le Dominion aurait un laboratoire top secret de bioarmement sur une plateforme orbitale de Castanar. S'il nous mijote une grosse surprise, j'aimerais savoir ce que c'est. C'est quoi le scoop sur ce labo de la mort top secret? Cet astéroïde est enregistré comme un entrepôt de stockage de beryllium. Mais ce doit être une couverture pour le labo biologique du Dominion. Espérons-le. On aurait l'air fin si on faisait tout ce chemin pour quelques tonnes de beryllium. Est-ce que ces documents donnent des indices sur ce que le Dominion mijote là-dedans? Non, commandant. Mais ils contenaient certains des codes de sécurité de l'installation. On devrait pouvoir pirater leur système. Ça peut être marrant. Bon, tant qu'à être là, autant y jeter un œil. Commandant, certaines parties du complexe semblent disposer d'un blindage anti-détection. Nos signaux n'arrêtent pas de couper. Soyez prudent là-dedans. Prudent, c'est mon deuxième prénom. Je croyais que c'était Eugène. La ferme, Matt. Très bien, les gars. Restez concentrés. C'est quoi le plan? Quand faut y aller? Comme c'est étonnant, la porte est scellée. Rien qu'une petite charge détonante ne puisse arranger. Sur moi. Jusqu'au bout. Cette installation est strictement interdite. Reno? Pas aujourd'hui, mon petit bonhomme. Faut y aller. Jusqu'au bout. Cramez tous les rebelles que vous voyez. On dirait qu'il y a un comité d'accueil. Aide de camp, active donc ces tourelles de défense, qu'on leur fasse une petite surprise. Accès au système. Décryptage des codes de sécurité. Contrôle du système obtenu. Bon, dans tous les cas, on contrôle la moitié des... Tu peux compter sur moi. Comme ça. Matt, analyse leur biosignature. Un moment. Le signal est faible là-dedans. Attendez. Commandant, je détecte des échantillons d'ADN Zerg et Protoss. Est-ce qu'ils auraient pu être... recombinés? Je sais pas, mais je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils font dans un labo du Dominion. Mettez-moi ça! On a sali Gaudrenor enfermé dans le labo 1! Bien vu! Lâchez les Zergs! Tu peux compter sur moi. Des Zergs. Ils viennent de cet enclos. Détruisez-le, les gars, pour pas les laisser sortir. Tu peux compter sur moi. Jusqu'au
propos. Retenez-les et laissez pas entrer dans le labo. Ne comptez sur moi. Jusqu'au bout. Ce terminal nous donne quelques options pour les attendrir un peu avant d'y aller. Et cloné encore et encore. Matt, t'as des infos supplémentaires ? Statman a effectué quelques tests, commandant. Il affirme que les souches ADN des spécimens ont été réagencées artificiellement. Le responsable de cette horreur a fait ça délibérément. Matt, on va devoir tout faire péter ici. Hors de question de laisser tourner un endroit pareil. Bien, je détecte une puissante signature énergétique tout près de vous. Il doit y avoir un énorme réacteur à fusion quelque part dans le bâtiment. Parfait. On trouve le réacteur, on le détruit et on se barre vite fait. C'est tout bon. Quand faut y aller... C'est tout bon. Quand faut y aller... Il testait ses armes sur les spécimens. Mais qu'est-ce qui magouillait ici ? Ça va cogner. C'est quoi le plan ? C'est pas rêvé. Quoi de neuf ? Quand faut y aller ? Tu peux compter sur moi. On risque des ennuis. Cette soute est suffisamment vaste pour contenir des unités lourdes.